Voilà Jésus, tout proche de Jérusalem. Il est là, devant cette ville, dominée par le temple et submergée par l'émotion. Il pleure. Des pleurs comme une lamentation. Ah, si tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix, si tu avais reconnu le moment où Dieu te visitait. En pleurant devant la ville qui ne le reconnaît pas comme le Messie, comme le prince de la paix, Jésus contemple toute l'histoire d'Israël, toute l'histoire de ce peuple dans lequel il s'est immergé pour l'ouvrir à la promesse faite à Abraham. Jésus pleure sur tous les aveuglements, les rendez-vous manqués, les ruptures d'alliance, les infidélités de son peuple. Nous pourrions dire, c'est du passé. Mais Jérusalem, c'est aussi chacun de nous. Jésus pleure nos lâchetés, nos manques de courage, nos manques de confiance, notre orgueil. Jésus pleure les cœurs fermés. Mais Jésus ne s'arrête pas. Il ira jusqu'au bout de l'offrande de lui-même en entrant dans la ville qui lui prendra sa vie. Il ira jusqu'au bout pour révéler la fidélité de Dieu à l'égard de toutes ses créatures. Aujourd'hui encore, Dieu par son Esprit passe et vient à notre rencontre. Saurons-nous le reconnaître? Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.